Merci Jésus. Voilà, bonsoir tout le monde. Bienvenue, 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 bienvenue. Partageons la vidéo à un grand nombre de personnes ce soir. Et nous allons parler des choses très très sérieuses. Le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide. Partageons la vidéo à un maximum de personnes, s'il vous plaît. Partageons la vidéo. Père, merci pour ta grâce, Saint-Esprit, merci parce que tu es vivant. Que ton nom soit béni, qu'il soit exalté dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Merci pour la sécurité pendant le voyage. Merci pour l'opportunité d'être avec les frères ce soir avant de nous coucher, de partager ces choses profondes et mystérieuses qui viennent des tréfonds de ton esprit. Seigneur, prédispose nos cœurs afin que nous puissions être attentifs et que nos cœurs soient abreuvés par les sources de la vie. Seigneur, merci parce que tu nous bénis et tu nous accordes la sanctification par le moyen de ta parole au nom précieux souverain de Jésus. Père, sois ma source d'inspiration et dispose nos cœurs à écouter ce qui sera dit par l'Esprit à son Église au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, partageons cette vidéo. Si vous connaissez un homme de Dieu, taguez-le, surtout les hommes de Dieu de France et d'Europe en général. Les hommes de Dieu de France et d'Europe en général, je vais partager ce soir, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, les révélations profondes que l'Esprit de Jésus-Christ m'a fait grâce de voir sur l'Église d'Europe, sur l'Église de la diaspora de l'Europe, et d'outre-mer, si vous voulez, sur l'Église d'outre-mer en général. Donc, partageons la vidéo à un maximum de personnes, s'il vous plaît. Partageons la vidéo à un maximum de personnes. Ne sois pas juste abonné, ou ne sois pas juste scotché ce soir pour écouter pour toi seul. Tag quelqu'un, invite quelqu'un. Invitez les gens de l'Europe, invitez mes bien-aimés des îles, etc. Je voudrais voir tout le monde. Si vous êtes des îles, s'il vous plaît, manifestez-vous. Même si ça fait des années que vous me suivez, vous n'avez jamais donné un mot, laissez un commentaire ce soir. Je veux vous connaître. Voilà, si vous êtes à Paris, vous êtes en Belgique, vous êtes en Allemagne, vous êtes dans les îles, vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, s'il vous plaît. Laissez-moi votre sujet de prière ce soir et laissez-moi votre nom. Voilà, dites quelque chose. Ne soyez pas des auditeurs silencieux tout simplement. De ce soir, je m'attends à faire la connaissance de ceux que je ne connais pas. Et donc, vous soyez, quelle que soit votre nation, dites-moi à partir d'où vous laissez votre sujet de prière. Tout simplement, nous allons prier. La distance n'est pas une barrière et la barrière n'est pas une distance. Voilà, bonsoir à Steve Mehdi. Bonsoir à mon fils, prophète Kwame Bodras. Voilà, ça c'est bien. Partageons la vidéo. Il dit, papa, nous sommes en train de partager. Oui, ça c'est extraordinaire. S'il vous plaît, partageons cette vidéo. Ça sera très grave ce soir. C'est même déjà très grave. Taguez les hommes de Dieu, les servantes de Dieu. Vous connaissez quelqu'un qui est un serviteur de Dieu, taguez-le. C'est un direct dangereux. Donc, laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît. Et dites-nous dans quel pays vous êtes situé, tout simplement. Donc, je voudrais voir les gens se manifester dans les îles, que ce soit l'île Maurice, que ce soit Madagascar, que ce soit quoi encore, il y a tellement des îles. Donc manifestez-vous, si vous êtes aux États-Unis, laissez votre sujet de prière, dites-moi que vous êtes aux États-Unis ou bien au Canada ou en Belgique, etc. Et dites-moi en commentaire comment vous vous préparez aussi pour venir. Voilà la Martinique aussi, là, c'est extraordinaire. Et là c'est Gertrude qui dit qu'elle est, elle regarde partie de la France. Et voilà. Bon arrivée en France. C'est Rosine Fautso. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur parce que tu es bon. Que ton nom soit béni. Écoutez mes amis, je ne veux pas trop perdre mon temps ce soir. Il doit aller droit au bijou. Je vais d'abord dire merci dans mon préambule à tous mes enfants qui ont organisé ma venue ici, qui ont été là à l'aéroport. Merci pour cet amour extraordinaire que vous m'avez
manifesté. Je suis reconnaissant pour cela. Je ne prends pas cela à la légère. C'est une grande grâce. Comme j'ai dit le matin, lorsque vous avez une personne qui vous aime, protégez la personne, parce que le monde, il y a tellement de haine aujourd'hui, de haine gratuite en plus, de meurtre, de mal, de guerre, etc., etc. Donc voilà, dites-moi d'où est-ce que vous m'écoutez ce soir, d'où est-ce que vous me suivez. Laissez un commentaire, laissez un sujet de prière et laissez-moi votre nation. Je veux prier avec vous. À la fin de cette émission, restez jusqu'à la fin parce que je veux prier pour tous les sujets de prière. Je suis en France et le Seigneur manifestera sa grâce d'une manière exceptionnelle sur les habitants de la France. Je vous dis la vérité, vous êtes heureux. Pas seulement de la France, de la diaspora, de l'Europe, des États-Unis, des îles, etc. Dieu se glorifiera de manière puissante. Je veux qu'un auditeur ou un téléspectateur, un abonné qui me suit depuis des années, qui ne s'est jamais manifesté, puisse me donner son nom, son sujet de prière et sa nation. Dites-moi, où sont mes enfants? De l'île Maurice, de la Guadeloupe, de la Martinique et de Madagascar, il y a encore d'autres îles là que j'ai oublié. S'il vous plaît, partageons la vidéo au maximum de personnes. Partageons la vidéo. Et ne sois pas connecté ce soir sans me laisser ton commentaire, ton sujet de prière et le pays où tu me regardes. Partage la vidéo, tag quelqu'un. Faut taguer quelqu'un, s'il vous plaît. Les hommes de Dieu, qu'ils soient là. Bienvenue au prophète Thomas ou Cyril. Voilà, que les hommes de Dieu soient là. Parce qu'on va, je pense, je vais heurter certaines sensibilités ce soir. Mais je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Si ça peut nous aider à avancer, c'est bien. Si ça peut nous aider à grandir, c'est bien. Si ça peut résoudre quelques problèmes. C'est vrai que parfois nos cœurs sont déjà tellement incrédules et endurcis. Donc voilà, bien-aimés, nous sommes en France. Je suis à Paris comme ça. Je fais le direct à partir de Paris. Vous savez que nous avons un grand événement qui aura lieu ce vendredi 27 octobre de 21h à 5h du matin. Et ce sera par la grâce du Seigneur Jésus-Christ dans les salons du Grand Paris. Salon du Grand Paris. Alors, laissez-moi vous donner le programme. Ce sera la nuit de la turbulence prophétique. Tu veux consulter Dieu. Ne manque pas cette nuit de prière. Je sais que les gens de l'Europe, en général, ont beaucoup langui après Dieu pour que Dieu puisse m'ouvrir la possibilité de venir en Europe. Depuis 2019, j'ai plus mis mes pieds ici. Le Seigneur, il a permis, c'est pour toi, mon ami, c'est pour toi, ma soeur, c'est pour toi, mon frère. Donc, ne laisse pas cette occasion partir. Voilà pourquoi je ne retournerai pas au Cameroun sans avoir impacté tous ceux qui seront là au séminaire d'impactation, d'impartition, qui aura lieu le dimanche. Voilà. Donc, ce sera la nuit de la turbulence prophétique, sur le thème que le Dieu du prophète change ma situation. Que le Dieu du prophète change ma situation. Quand on dit que le Dieu du prophète change ma situation, ça ne veut pas dire que ce n'est pas ton Dieu à toi, c'est notre Dieu à nous tous. Mais il faut comprendre parfois l'esprit du thème, en fait. Voilà, le thème, il est inspiré de Matthieu chapitre 10, versets 42 et 43. Jésus dit en grec, il dit, ho dekomenon propheten. Eis onoma prophète, miston prophète même cette année. Celui qui reçoit un prophète, parce qu'il a discerné l'alliance prophétique et l'identité prophétique de ce prophète, celui-là aura part à l'héritage de ce prophète. Vous voyez. Et Jésus-Christ, en envoyant ce prophète, leur a dit, celui qui vous reçoit m'a reçu. Celui qui vous rejette m'a rejeté. Donc, vous voyez que derrière chaque prophète, il y a un Dieu. Dieu est derrière les prophètes. Il est derrière ses envoyés. Voilà pourquoi Dieu est appelé aussi le Père des esprits des prophètes. Le Père des esprits des prophètes. C'est-à-dire qu'il est le Père de nos esprits, en fait. Celui qui guide nos esprits. Celui qui dirige nos esprits. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dira clairement que jamais aucune prophétie n'est venue par une volonté humaine, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. D'un prophète, c'est une porte-parole de Dieu, en fait. Donc, voilà pourquoi on dit que le Dieu du prophète se souvienne de moi. Voilà. Qu'il se souvienne de moi. Le Dieu que je sers et qui m'envoie ici, il manifestera sa grâce. Que le Dieu du prophète change ma situation. Quelle que soit ta situation, elle sera changée. Ça, c'est clair, je peux te l'assurer. Elle sera changée. Vous savez, si vous avez un enfant dont le papa est milliardaire et que vous avez besoin de construire une maison ou bien vous voulez vous acheter quelque chose, il vous dira, c'est pas un problème parce qu'il, c'est pas qu'il a la solution, c'est pas qu'il a les moyens, mais son papa est riche. Son papa a les moyens. Donc, quand je dis c'est pas un problème, je m'immisce parfois des problèmes qui sont énormissimes, en fait. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais de quoi le Dieu dont je suis le serviteur est capable. Donc, n'aie pas peur, mets juste ta confiance en l'Éternel. Donc, ce sera
sur ce thème que nous allons travailler. Et voilà, ce sera ce vendredi 27 novembre de 21 h à 5 h du matin. Voilà, le lieu, c'est le salon du Grand Paris, 8 rue Serpente, à Champigny-sur-Marne, 94 500. 8 rue Serpente, à Champigny-sur-Marne, 94 500. Voilà. Donc après cela, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je serai chez mon frère l'évangéliste J.P. Macanzo au niveau de l'église ACCR. Ce sera situé à rue Saint-Antoine, 80 5900, Roubaix, Lille-France. La date, ce sera du 2 au 5 novembre. Alors, il faut dire que le 27, nous avons la nuit de la turbulence prophétique. Je sais que les gens soifent d'écouter la parole de Dieu. Vous savez, lorsqu'un prophète arrive, tu dois activer ta foi déjà. Tu actives ta foi. Et je vais vous montrer comment les choses doivent se passer, parce que les gens ne savent pas comment se comporter dans l'atmosphère des prophètes. Il faut d'abord avoir un cœur d'enfant. Il faut croire que Dieu peut te parler, que Dieu peut s'adresser à vous. Il faut avoir cette foi et cette soif, cette attente-là, que Dieu manifestera sa gloire. Maintenant, vous allez déterminer à quel moment vous serez visité. Quelqu'un viendra en disant, dès que je verrai le prophète, je serai visité. Donc cette personne, sa foi, il lui sera donné selon sa foi, en fait. Quand elle me verra, elle recevra un miracle. Une autre personne dira, non, dès que j'entendrai la voix du prophète, je serai guéri. Et dès que la personne entendra ma voix, même si elle est en train d'entrer dans la salle, elle va recevoir sa guérison, son miracle dehors. Dieu va la secourir, étant même à l'extérieur de la salle déjà. Et puis, quelqu'un d'autre dira, si je puis seulement le toucher, je serai délivré. Ouais. Pour cette personne, même si elle me voit, ça ne va rien faire. Même si elle m'entend, ça ne fera rien. Parce que sa foi est réglée sur le fait qu'elle doit d'abord me toucher. Et si elle ne réussit pas à me toucher, alors elle n'aura pas son miracle. Donc, chacun doit déterminer déjà sa foi. À quel moment? C'est-à-dire que tu dois définir ta foi dans l'espace-temps. À quel moment est-ce que tu veux que Dieu puisse te délivrer de cette situation, te sortir de ce tombeau, de cette prison dans laquelle tu as été encadenassé, embrigadé depuis peut-être des années ou bien des mois? Donc c'est à toi de décider, vous voyez. Donc Dieu se manifestera. Je vous dis la vérité, la gloire qui sera cette nuit du 27 octobre dans le salon du Grand Paris. Ça sera une gloire telle que vous n'en avez jamais vue. Des signes et des prodiges se passeront de façon extraordinaire. Seul ce que Dieu peut faire sera fait cette nuit. Et Dieu fera dans ta vie quelque chose que tout le monde dira que ça, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Et ça, c'est important de le souligner. Donc si vous manquez à cette nuit de prière, c'est que vous n'aimez pas votre vie, vous êtes votre premier et plus grand ennemi. C'est que celui qui est votre vie, c'est vous-même. Votre premier et pire ennemi, c'est que c'est vous-même. Parce que vous ne pouvez pas expliquer, mes amis, que quelqu'un quitte le Cameroun, l'Afrique, et prenne l'avion pour venir chez vous, et que vous soyez incapable de quitter d'une province ou bien de la banlieue, je sais pas, de n'importe où, de la France ou bien des pays à côté d'Europe pour venir recevoir votre bénédiction. Dieu ne fait jamais sortir un vrai prophète pour rien. Nous sommes comme des flèches dans son carquois. C'est pour accomplir ses desseins dans la vie des hommes que Dieu nous fait sortir. Donc, c'est pour dire, bien-aimé, que le Seigneur, il est fidèle et il manifestera sa fidélité. Donc, ce sera ainsi que les choses vont se passer. Et nous aurons la conférence d'impartition dimanche, dimanche le 29. Dimanche le 29, ce sera la conférence d'impartition et elle sera un moment pour les partenaires. Vous voyez, ce sera pour les partenaires. Ce sera un moment que je vais partager avec tous nos partenaires. Ceux qui veulent être des partenaires financiers de ce ministère, le Seigneur manifestera sa gloire de manière extraordinaire. Ça sera de 9 h à 13 h, de 9 h à 13 h. Dieu se manifestera puissamment. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, une autre chose qu'il faut savoir, c'est que, après avoir travaillé chez mon bien-aimé, l'évangéliste J.P. Macanzo, je serai aussi chez l'apôtre Tony Silassi, à l'Assemblée du Dieu vivant, 43 rue Goethe, 1070, Bruxelles, Belgique. La date, ce sera du 10 au 12 novembre. Voilà, du 10 au 12 novembre. Tandis qu'à ACCR, ce sera du 2 au 5 novembre. Donc Dieu se manifestera puissamment pendant tout ce programme et sa gloire sera vue par les habitants de la France. Je fais confiance en Dieu. Je crois en Dieu. Je mets ma confiance en lui. Père, je mets ma confiance en toi. Pour tous ceux qui viendront, parce que je sais que l'attente, elle est grande. Donc ne manquez pas. Si c'est possible, venez avec vos enfants. Parce que une parole, vous savez, une parole que Samuel a donnée sur David, qui était le cadet de la famille, a fait de lui un roi. Donc ne méprisez personne.
Même les enfants, les nourrissons à la maman, si c'est possible, ils viennent. Venez avec eux. Même si vous pensez que votre animal à la maison, votre animal de compagnie, a une destinée prophétique, venez avec lui. On va prophétiser. On va libérer des paroles prophétiques puissantes, inspirées par le Saint-Esprit pour la délivrance et la restauration des familles. Voilà, donc Dieu se glorifiera. Et je voudrais vous encourager, ne manque pas la conférence d'impartition. La conférence d'impartition, ce sera un moment à huis clos, c'est-à-dire, ce sera à huis clos où je vais vous enseigner sur des principes spirituels forts qui ouvriront les portes de votre destinée. Et puis je vais verser l'huile sur la tête de tout le monde. Voilà. Je vais imposer les mains à tout le monde. Tout le monde connaît ce qu'on appelle l'impartition. L'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, et ne néglige pas le don qui est en toi et que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ouais, par l'imposition de mes mains. C'est ce qu'on appelle l'impartition. Lorsque un prophète met sa main sur ta vie, les portes fermées vont s'ouvrir. Les larmes de tes yeux seront nettoyées. Les blessures de ton cœur seront guéries. Dans tous les cas, tu seras consolé. Ouais. L'impartition, c'est la transmission de l'alliance d'un prophète à une brebis. Donc, on peut transférer. Ce que je porte pourra être transféré. Un peu comme la Bible a dit que Dieu a pris de l'esprit qui était sur Moïse et l'a répandu sur les 70. Et donc, il pouvait manifester la même grâce, la même alliance que Moïse. Ouais, il pouvait maintenant jouir des mêmes prérogatives spirituelles que Moïse. Donc, fais tout pour que ma main te touche ce dimanche de 9 h à 13 h. Ne manque pas, s'il te plaît. Fais tout pour que la main du prophète puisse toucher ta tête. Tu seras oint établi. Ce sera l'huile de la royauté qui t'établira dans une destinée royale. Et je verrai le démon qui t'empêchera de t'asseoir sur le trône de ta vie et de manifester la destinée prophétique que le Seigneur a réservée pour toi. Vous savez, la Bible dit que lorsque Élisée a prié, il a mis la main sur Géasi, il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Immédiatement, Géasi a vu ce qu'il ne voyait pas. Il a vu des chars de feu avec des anges dessus, protégeant son père. C'est là qu'il a compris que son père était une autorité spirituelle. Écoutez, mes amis, lorsque nous nous déplaçons, il faut que les gens comprennent cela. Quand nous nous déplaçons, comme je me suis déplacé, il y a des cohortes angéliques qui nous accompagnent. Il y a toute une armée qui a envahi déjà la salle où je serai. Une armée qui accompagne l'avion. Une armée redoutable des anges. C'est-à-dire celle qui accompagne mon ministère, les gardiens du ministère de l'alliance que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné. Donc, je suis très heureux, mes amis. Oui. Je suis très heureux d'être là. Je ne sais pas si vous êtes heureux comme moi. Si vous êtes heureux, dites-le en commentaire. Dites simplement, je suis heureux. Et si vous serez là, dites, je serai là en commentaire. Et que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Je vais comme ça aller dans le vif du sujet et sur ce que le Seigneur m'a montré sur les problèmes de l'Église d'Europe. Voilà. Déjà, il faut savoir que les problèmes, l'Église d'Europe a de profonds problèmes, des problèmes de division profonde. Et on va voir ensemble ce qui ne va pas. Et je pense que je parlerai sans vergogne. Parce que c'est important parfois d'aborder certains sujets de façon courageuse. Vous savez, mes amis, nous sommes tous enfants de Dieu. On est tous serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de super serviteur de Dieu. Il n'y a pas de super homme de Dieu. Ah non, non. Il n'y a pas de super homme de Dieu. Il n'y a pas d'homme de Dieu spéciaux plus que d'autres. Non. Il n'y en a pas. C'est que cette génération ne comprend pas encore ce qu'en fait, nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, Paulos, doulos Jesu Christu, diatelemate teio, kai o Timoteos, toi, delfo. Il dit, Paul, esclave de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, Timothée, le frère Timothée. Il dit, Paul, esclave, doulon Jesu Christu, esclave de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons plus à reconnaître qu'un homme de Dieu doit être un esclave. Voyez. Il y a tellement de guerres d'influence. Chacun veut avoir une grande zone d'influence. Ça, c'est le problème de l'Église en général et de l'Europe en particulier. Il y a une guerre d'influence, une guerre clanique, une guerre ethniciste. Vous voyez? Il y a une guerre de clans en Europe. Il y a une guerre de clans, que ce soit ici à Paris, en France, en Belgique, partout. Les hommes de Dieu se sont constitués en bloc pour se combattre les uns les autres. Les hommes de Dieu se sont constitués en bloc, certains pensant être supérieurs aux autres, d'autres pensant avoir le monopole de la connaissance, le monopole du contrôle de l'Église et ayant la parole universelle pour l'Église et qu'une certaine catégorie d'hommes de Dieu exclue. Et il y a une grande guerre dans l'Église d'Europe entre les docteurs de la parole et les prophètes et ceux qui ont le ministère de délivrance. Il faut dire qu'en Europe,
en France et dans d'autres pays d'Europe, ce sont les docteurs de la parole qui ont gagné le terrain. Ouais, c'est les docteurs, c'est les enseignants en fait, c'est des pasteurs qui ont gagné le terrain. Ça, c'est des enseignants, ça veut dire qui enseignent la parole de Dieu et sans trop démontrer la puissance brute du royaume de Jésus-Christ, donc, mais qui montre la gloire de la parole de Dieu, la gloire de Jésus-Christ révélée à travers l'évangile. Ouais. Mais ce n'est pas que ça l'évangile en fait. À quelqu'un, il est donné le ministère d'enseigner. Bon, maintenant, ces enseignants de la parole de Dieu combattent les prophètes et ils combattent ceux qui font le ministère, qui s'appelle le ministère de la délivrance et de la libération des captifs. Ouais. Et à partir de ce moment-là, ça a porté division profonde. Et nous avions la conférence des pasteurs de la Congrégation baptiste camerounaise, dont je suis un grand responsable au Cameroun, et j'avais eu la grâce de pouvoir m'exprimer devant les hommes de Dieu. Et j'ai expliqué que le problème des hommes de Dieu, c'est les hommes de Dieu. C'est-à-dire que les brebis, en fait, sont victimes des divisions des hommes de Dieu. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que nous, hommes de Dieu, nous rendrons compte à Dieu du désordre que nous avons créé dans sa maison. La Bible dit dans 2 Timothée 2, verset 19, néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure avec ses paroles qu'il sert de sceau et le Seigneur connaît ce qui lui appartient. C'est pas un homme qui peut dire que non, tel pasteur il est vrai, tel pasteur il est faux. Même si on peut s'appuyer parfois sur certaines dérives, sur certaines hérésies, mais en fait, tu ne peux pas connaître qui est sauvé. Aucun pasteur ne peut dire dans son église avec certitude que tel brebis tu es sauvé, toi tu es sauvé, toi tu es sauvé, toi tu es pas sauvé. Pourquoi? Parce que l'homme regarde l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde l'apparence. Tu peux voir quelqu'un qui a l'apparence de la piété, comme l'apôtre Paul a dit, mais qui, dans le secret, fait des choses horribles. Quand tu peux aussi voir quelqu'un qui a l'apparence de l'impiété, mais qui, devant Dieu, son cœur est vrai, comme l'apôtre Pierre. Ouais. Donc, personne ne peut connaître le cœur de l'homme. Qui peut connaître le cœur de l'homme si ce n'est Dieu? Et Jésus-Christ lui-même, il dit quoi? Il dit, ego eimi he opohimen ho kalon. En grec, ça veut dire, je suis moi, le bon berger. Donc, il connaît ses brebis. Il n'y a aucun pasteur. C'est-à-dire, un pasteur, en fait, n'est pas un patron. On n'est pas des patrons. Jésus ne nous a pas appelés pour être des rois, pour régner ou bien pour dominer. Nous sommes des esclaves, mes amis. Et la Bible nous appelle des oikonomos. Oikonomos, tout oikia, tout teio. Ça veut dire des dispensateurs de la gloire de Dieu dans sa maison. Voyez. Donc, quand on parle de dispensateur qui a donné en grec oikonomos, oikonomos veut dire oika et nomos. Oika veut dire la maison. Et non, moi, je veux dire le servant, celui qui sert à manger. Ouais. Donc, dispensateur, ça veut dire que nous dispensons, nous partageons à l'Église les différentes grâces que Dieu nous a données pour son Église. Ouais, nous partageons ça aux gens. On est des esclaves de l'Église, en fait. Là, on a été recrutés comme des nounous pour l'Église, pour les brebis. Mais ça veut dire qu'en réalité, une brebis est supérieure que le pasteur. Une brebis est supérieure que le pasteur parce que celui qui sert est inférieur que celui qui est servi. Nous avons été appelés à servir, en fait. Mais il y a une guerre de territoire, ici en France, et en Europe, une guerre de territoire. Une guerre de territoire dangereuse, qui peut même amener certains hommes de Dieu à empoisonner d'autres, à calomnier d'autres, à saboter le ministère des autres, à médire des autres, à mal parler des autres. Il y a une telle calomnie au milieu des hommes de Dieu, qui a rendu la division si profonde que on ne voit pas la réconciliation d'aussitôt. Parce que les gens défendent leurs intérêts, leurs ventes. C'est ça la vérité. Dès que quelqu'un a ses brebis-là, il a ses euros qui tombent là, il regarde ses euros par an, des millions d'euros qui entrent à travers son ministère, puis il y a un prophète qui va venir, commencer à prophétiser, ses brebis vont là-bas. Alors automatiquement, il pousse les brebis à haïr et à mépriser les autres hommes de Dieu, c'est-à-dire les prophètes. Il y a une guerre entre les docteurs, les pasteurs et les prophètes en Europe. Il y a des pasteurs dans cette ville et dans ce pays-ci-là, qui disent à leurs brebis qu'il n'y a pas de prophète. Les prophètes sont des faux prophètes. Tous, là, c'est des faux prophètes. Mes amis, tout le monde n'est pas faux prophète. Comme il y a des faux prophètes, il y a aussi des faux docteurs. Il y a des faux apôtres, il y a des faux pasteurs. Il y a des faux évangélistes. Il faut que les gens comprennent cela. Mais, quand Jésus-Christ partait dans, vous lisez Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 6, Éphésiens 4, 6, je pense, oui, Jésus-Christ parle des cinq ministères. Jésus-Christ parle des cinq ministères. Il y a cinq ministères dans l'Église. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les docteurs, il y a les évangélistes et il y a les pasteurs. Ça fait cinq. Et dans ces cinq ministères, la Bible dit clairement que Dieu a premièrement établi dans l'Église les apôtres et secondement les prophètes.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les apôtres, l'église est fondée sur deux fondations, les apôtres et les prophètes. Ah, lui-même le dit, quand l'église est fondée sur les apôtres et les prophètes. Mais ça veut dire que c'est les apôtres et les prophètes qui bâtissent l'église. Donc lorsqu'un pasteur commence à combattre les prophètes, il est en train de vouloir détruire une fondation de l'église. Il fait du mal à l'église de Jésus-Christ. Pourquoi pas dire aux gens que tous les prophètes sont faux, en fait? Je pense que c'est de l'exagération. C'est de l'exagération. Il faut dire aux gens que de même qu'il y a de faux docteurs de la parole, il y a aussi de faux prophètes. Mais qu'il y a de vrais prophètes. Vous ne pouvez pas couper les prophètes, les couper parce que, en fait, beaucoup de pasteurs enseignent contre les prophètes, pas parce qu'ils ne croient pas aux prophètes, mais parce qu'ils ont peur des prophètes. Parce que je dis que si les prophètes se lèvent, parce que c'est un ministère puissant, mes amis. Le ministère prophétique est un ministère puissant. Et d'autant plus que dans cette génération, Dieu a équipé beaucoup de prophètes avec un don d'enseignement puissant. Vous savez que vous venez dans l'église d'un prophète, il vous révèle d'abord le mystère de la parole de Dieu, et après ces choses-là, il prophétise sur vous. Mais là, il faut comprendre qu'il y a trois familles de prophètes, je reviendrai là-dessus. Donc, il n'est pas sage, il n'est pas sage à un docteur de la parole de dire à ses brebis que tout, de fuir les prophètes, que c'est le faux prophète. Il y a des enseignants ici en Europe, et même ceux d'Afrique, en Afrique, mais qui viennent aussi parfois régulièrement et régulièrement en Europe ici. La plupart de leur temps, quand vous mettez leur message, c'est contre les prophètes. Contre les prophètes. Comme si les prophètes étaient un anathème, comme s'ils devaient disparaître. Mes amis, on ne peut pas disparaître. Personne ne peut détruire ce que Jésus-Christ a fondé. Il a fait des dons aux hommes, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Et puis j'ai dit encore que le ministère prophétique est le plus ancien des cinq ministères. Dès le commencement, Dieu a commencé à marcher avec les prophètes. Il a commencé à marcher avec les prophètes. Mais le ministère apostolique en tant que tel a été établi par Jésus-Christ. Quoi que l'apôtre Paul dise que Moïse était d'apôtre. Mais dans le sens néo-testamentaire, le ministère apostolique a commencé lorsque Jésus-Christ est venu fonder les 12 apôtres. Ouais. Donc on ne peut pas détruire le ministère des prophètes, ce n'est pas possible. Et je vais vous dire une vérité. La France connaîtra une révolution prophétique sans pareil. L'Europe connaîtra une révolution prophétique sans pareil. Et nous sommes en train d'arriver. On est en train d'arriver. On arrive, mes amis. Bon, il ne faut pas, on ne dit pas qu'il n'y a pas de faux prophètes. Mais là où le bât blesse souvent, c'est que vous enseignez à vos églises que les prophètes ne sont pas de bonnes personnes. Il travaille les esprits des eaux, vous travaillez avec quel esprit? C'est ça le problème. Il travaille les esprits des eaux, etc. Ça fait donc qu'il y a des églises où, si tu prophétises, on te chasse. Ici en France, il y a des églises comme ça. Que si tu prophétises, on te chasse. Maintenant, on va revenir un peu doucement, doucement à la lumière des Saintes Écritures. J'ai suivi l'enseignement d'un docteur de la parole que je respecte beaucoup et que j'aime, dont j'admire le travail, qui disait que les prophètes aujourd'hui prophétise dans les églises. Il dénonce les secrets des gens dans les églises. Que c'est même parce que Jésus-Christ a enseigné. Que lorsque tu as la prophétie de quelqu'un, tu appelles la personne au bureau. Et la personne, et cet enseignant, la parole de Dieu, disait que lui, quand il a, lui aussi prophétise, mais quand il a la prophétie pour quelqu'un, il appelle la personne dans son bureau, il lui dit ça dans le bureau. Il ne dit pas en public. Parce qu'en public, dit en public, ce n'est pas biblique. Jésus n'a pas enseigné cela. Et puis moi, je pense qu'il y a un sérieux problème à ce niveau, vous voyez. Parce que lorsque vous commencez à entrer dans un domaine que vous ne comprenez pas, alors vous allez commettre des hérésies. Vous allez enseigner de fausses doctrines, en fait. C'est très faux. C'est un enseignement très fallacieux à la lumière des Saintes Écritures. C'est une hérésie, en fait. L'hérésie, ça veut dire, c'est quelqu'un qui enseigne une fausse doctrine pensant être sincère. Quelqu'un qui se trompe sincèrement. Ouais. Donc vous ne pouvez pas dire aux gens que... Non, les prophètes, ils prophétisent. On dit ta vie en public. On dit la vie est en public, en pleine église. Et ça, où est la gloire de Dieu dedans? Mon ami, Dieu tire une grande gloire dedans. Moi, je n'aime pas trop parler. On va lire un peu la Bible. Tu peux prendre ta Bible avec moi. On va lire dans... Je vais vous lire un passage de la Bible dans 2 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14. Voici ce que la Bible dit. En revanche, à partir du verset 24. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 24. En revanche, si tous, non, non, et au verset, prenons verset 23. Si donc, alors que l'église entière est rassemblée, je reprends. Si donc, alors que l'église entière est rassemblée, tous parlent en langue et qu'ils entrent de simples auditeurs ou des non-croyants,
Ne diront-ils pas que vous êtes fous? En revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous. Il est jugé par tous. Ainsi, les secrets de son cœur sont dévoilés et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. L'apôtre Paul dit, si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, c'est-à-dire pendant un culte, si donc, pendant un culte, pendant le culte, un non-croyant entre, ou un homme du peuple entre, et qu'un prophète se lève en public, pas l'appeler au bureau, et il dévoile les secrets de son cœur, parfois des choses honteuses, des choses que la personne elle-même va confirmer que ça, là, il n'y a que Dieu pour faire ça. Alors, il dit que cette personne-là, vous l'aurez gagnée, parce que elle croira, elle confessera que Dieu est vraiment au milieu de vous. Donc ici, bien-aimé, la Bible dit clairement que le prophétique doit se manifester dans l'assemblée, pendant le culte. Ce n'est pas dans le bureau. Donc lorsque quelqu'un dit que les prophètes qui prophétisent aujourd'hui pendant les cultes et révèlent les secrets des gens, la Bible parle du mot secret. Qui sont dans l'erreur, c'est vous qui enseignez ça qui est dans l'erreur en fait, mes amis. Donc soyons parfois humbles. Si vous avez un problème avec un prophète particulier, ne globalisez pas tout le monde dedans, n'englobez pas tout le monde. Ne jetez pas tout le monde dans le même panier. Si vous mangez l'arachide et qu'il y a un grain d'arachide qui est pourri, ne dites pas que tout le reste des graines est pourri. Non. Le reste n'est pas pourri en fait. Enlevez juste la graine qui est pourrie et puis laissez germer les graines qui ne sont pas pourries. Donc pourquoi dire que toutes sont pourries? Parce qu'il y a une qui est pourrie. De même, il y a des faux docteurs, des faux enseignants, la parole de Dieu en fait. Donc chacun doit respecter son couloir, la politique aux politiciens, l'apostolat aux apôtres, le pastorat aux pasteurs, l'enseignement aux docteurs, l'évangélisation aux évangélistes et la prophétie aux prophètes. Un docteur peut enseigner la prophétie, mais c'est théorique. Mais il ne peut pas entrer dans les méandres, dans la ziggourat des secrets. Ces secrets-là n'appartiennent qu'aux prophètes en fait. Ces secrets n'appartiennent qu'au prophète. Au prophète, si vous n'êtes pas prophète, vous ne comprendrez pas les choses des prophètes. Tout de même, si vous n'êtes pas docteur de la parole, vous ne comprendrez pas le mystère des docteurs de la parole. C'est des dons, mes amis. Donc, moi, je pense que nous devons faire attention. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, verset 10, conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. On doit faire attention, mes amis. C'est nous, les hommes de Dieu, qui troublons l'Église. Comment vous pouvez m'expliquer que dans une Église dite chrétienne, une Église dite évangélique, dès que vous prophétisez, on vous chasse. Dès que vous parlez de prophétie, on vous met dehors. C'est quelle histoire ça, mes amis? Quand la Bible parle du ministère prophétique, de Genèse à Apocalypse, mes amis, c'est quelle doctrine? Hein? Ça, c'est de l'égarement, en fait. C'est s'égarer du fondement biblique. Jésus-Christ est un prophète. Il a prophétisé. Il a dit, si nous croyons en lui, nous ferons ce qu'il a fait. Nous ferons même plus que ce qu'il a fait. Jésus a prophétisé. Vous imaginez, vous vous souvenez, quand il est entré dans la synagogue, il a trouvé la femme au dos courbé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prophétisé sur elle. Il a dit, cette femme, ça fait 18 ans qu'elle a le dos courbé. Et Satan, sa maladie, elle est diabolique. C'est la sorcellerie. C'est Jésus qui prophétise comme ça. Et il va guérir la personne. Il guérit la dame. Lorsqu'il voit Nathanaël, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voici cette fois-ci un juif en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël lui demande, d'où me connais-tu, Seigneur? Il lui répond quoi? Il dit, quand Philippe t'appelait, quand tu étais sous le figuier, moi j'étais vu. C'est ça qu'on appelle le voyage dans l'esprit via la prophétie topographique et nominale. Il lui dit où il était, le quartier où il était, l'arbre, le nom de l'arbre, ce n'est pas le bananier, ce n'est pas un cocotier, c'est un figuier. Il y a un monsieur qui t'a appelé là-bas qu'on appelle Philippe. Ça, c'est la prophétie, mes amis. Et vous vous souviendrez aussi lorsque Jésus-Christ était autour du puits de Jacob, lorsque la femme samaritaine est arrivée. Il essaie de lui faire comprendre par l'enseignement qu'il est le Messie, mais la femme ne croyait pas. Elle le méprisait, elle le sous-estimait plutôt. Mais quand Jésus-Christ a prophétisé, quand Jésus a prophétisé sur elle, disant qu'elle a cinq maris, va appeler ton mari, dit, n'a pas, oui, tu as raison, pas, tu as eu cinq maris. C'est pas la prophétie, mes amis. Cinq maris. Il le cite, tu as eu cinq maris. Et actuellement, où je te parle,
Tu es dans la maison avec un os. C'est ce qu'on appelle le voyage dans l'esprit. Tu es dans ta maison, tu es marié avec. Et les gens nous disent que de raconter la vie des gens, ça sert à quoi? Allez demander à Jésus. Ça servait à quoi? Le but de la prophétie, c'est de pousser l'homme à croire que Dieu existe. Parce que si vous croyez, vous croyez une personne qui ne vous connaît pas, et elle vous révèle des choses qui sont passées dans votre vie, parfois des choses lointaines de votre enfance, parfois même des choses que vous avez oubliées. Mes amis, vous-même, vous saurez que ça, il n'y a que Dieu pour le faire. Il n'y a que Dieu dedans, en fait. Pourquoi se combattre? Pourquoi, mes amis? Cette lutte ne vient pas de Dieu. On ne lutte pas pour le royaume de Dieu là-bas. Là, c'est une lutte d'intérêt personnel. C'est parce que les gens ne veulent pas perdre leur brebis à cause des dîmes et des offrandes. C'est ça la simple vérité. Parce que si c'est pour Christ là, tu prêches la Bible, là, tu es un docteur de la parole, tu dois savoir que les prophètes sont de Dieu. Tout comme tu te réclames d'être de Dieu, comme quand on dit que tu es de Dieu, tu es content là. L'autre aussi, il serait aussi content qu'on reconnaisse son ministère. Et de même que tu es fâché, quand on dit que tu n'es pas de Dieu, on te sabote là, l'autre aussi sent la même chose. Mais pourquoi est-ce que la mort d'autres hommes de Dieu doit venir de nous en tant qu'hommes de Dieu? À cause de jalousie, à cause des guerres intestines, à cause des intérêts égocentriques, parce que nous ne voulons pas perdre les ouailles, parce qu'on ne veut pas que notre argent soit touché. Mes amis, l'intérêt du royaume de Jésus-Christ devrait prôner sur nos intérêts personnels. Je dis que lorsqu'un homme de Dieu combat notre homme de Dieu, il est dans l'erreur. Mais si c'est ton pasteur, prie pour lui. Il est dans l'erreur parce que la chair, en ce moment, c'est la manifestation de la chair. Il n'est plus dans le spirituel. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus n'a jamais enseigné de faire cela. Même quand les apôtres sont allés voir ce monsieur-là qui avait ouvert une église au nom du Seigneur Jésus-Christ et qu'ils ont fermé, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il ne fallait pas fermer. Non. Vous devez savoir que j'ai d'autres bergers, d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie et qui sont gardés par des bergers qui ne sont pas de cette bergerie. Ne c'est pas parce que quelqu'un n'est pas avec vous ou ne fait pas comme vous, alors que vous allez dire qu'il n'est pas de Dieu. Ce n'est pas vous le baromètre qui montre l'authenticité des noms de Dieu. Toi-même, tu es un être humain, tu as tes erreurs, tu as tes limites. C'est Jésus-Christ qui est notre baromètre à nous tous. C'est Jésus le modèle, le bon berger. Dit Ego Emi, Heo Pohimen, Ho Kalon. Moi, je suis le bon berger. Il dit Ego Emi, Heo Hodos. Moi, je suis le chemin. Il dira encore Ego Emi, Heo Tura. Moi, je suis la porte. C'est Jésus, mes amis. Chaque homme de Dieu doit calquer le modèle de sa foi, de son ministère sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, moi, je pense, et l'apôtre Paul continuera en disant dans 1 Corinthiens 3, verset 11, il dit car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un pose un autre fondement, ainsi qu'au sein de l'Église, vraiment, je vous dis la vérité, c'est qu'il est dans le problème. Le ministère commence sur la terre, mais on va finir tous devant le tribunal de Dieu. Faire l'église, le ministère, c'est pas ça le plus important. Mais la motivation derrière, c'est ça. La motivation, c'est quoi? Le salut des âmes, ou bien quoi? Vous savez, j'ai vécu une histoire, au Cameroun, et je vais la partager avec vous. C'est toujours une histoire qui s'est passée ici en Europe. Ça montre tout simplement jusqu'où certains hommes de Dieu sont mesquins. Comment certains hommes de Dieu sont mauvais de cœur. Alors, il y a des hommes de Dieu ici qui passent leur temps, qui pensent que, bon, qui dénigrent d'autres hommes de Dieu, je parle de l'Europe, hein, qui dénigrent d'autres hommes de Dieu. Qui dénigrent d'autres hommes de Dieu, montrant que c'est des voleurs, c'est des bandits, des escrocs, et qui font croire en public que, eux, ils ne demandent pas l'argent aux gens. Il y en a même que vous ne verrez jamais le moment des offrandes. Nous-mêmes, on balance tout. On balance, les gens voient. Mais il y a des hommes de Dieu, vous ne verrez jamais. Donc vous allez voir la télé, vous allez penser que chez eux, on ne demande pas l'argent, il n'y a pas de offrande, etc. Mais cet homme de Dieu-là, cet homme de Dieu, qui passait le temps à dénigrer les autres, oh, il demande l'argent. Quand il dit en Europe, il vous demande l'argent, il vous demande telle chose, telle chose. Mais lui, il a ses conférences en ligne qu'il fait, et puis il y a un quota, il y a un montant d'argent que tu donnes. Et un montant d'argent, tu t'inscris. Je ne sais pas combien d'euros c'était, combien d'euros là. Mais mes amis, ça faisait une énorme somme d'argent. Il y a 2000 personnes, 4000 personnes qui se connectent à son direct, à son pas direct, sa conférence en ligne. 4000 personnes. Et chacun donne seulement 100 euros ou bien 100 euros. Ça fait combien de personnes? Ça fait combien de millions d'euros? Et par rapport à celui qui va venir de l'Afrique, il arrive, il demande qu'on soutienne son ministère. Si tu veux donner 100 euros, tu donnes. Si tu veux donner 300 euros, tu donnes. Tu veux donner comme Dieu te donne. Et il repart même peut-être avec 10 000 euros. Mais on le montre comme étant sataniste, comme étant l'escroc.
Mais ce qu'on fait, c'est pire. C'est-à-dire que c'est des choses que, même si on demande à celui-là qu'on condamne, il va dire non, je ne peux pas faire ça. Il n'a pas le cœur de le faire. Et c'est un problème. C'est un réel problème. Donc moi, je pense que nous devons faire attention, mes amis. Nous devons faire attention. Le ministère, chacun appelé par Dieu. Chacun. Quand Dieu t'appelait, je n'étais pas là. Quand Dieu m'appelait, tu n'étais pas là. Donc arrêtons de nous juger inutilement ou bien d'entrer dans des guerres, des choses que nous ne comprenons pas. Moi, je pense que les mystères du ministère prophétique, Dieu l'a réservé aux prophètes et aux prophètes seuls. Quand le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il n'a pas parlé de docteur. Il ne parle pas d'apôtre même. Il ne parle pas de pasteur. Non. Il dit ses serviteurs, les prophètes. Nous sommes redoutables, mes amis. On est puissants. C'est normal qu'on effraie certains pasteurs ou certains docteurs de la parole. C'est-à-dire, dites aux gens qu'il y a des prophètes qui vont à la dérive. Peut-être vous en connaissez. Peut-être vous n'avez pas encore croisé un prophète qui est vrai, quelqu'un qui sert Dieu de tout son cœur, qui est sincère. Le ministère n'a pas été confié à des hommes parfaits. Aucun homme de Dieu n'est parfait. Même pas ceux qui se mettent sur les réseaux sociaux pour se dresser comme étant le baromètre de la justice, de la rectitude et de la droiture, de l'intégrité. Mais toutes ces personnes-là aussi, on entend parfois des accusations graves contre elles, en fait. Ce qui montre qu'en fait, notre rôle n'est pas de montrer que nous sommes plus justes que les autres, non. C'est la justice de Christ que nous devrions apporter aux gens. Dire aux gens que c'est Jésus qui est juste. C'est Jésus-Christ. C'est lui le modèle, en fait. C'est chaque homme de Dieu doit amener son église à calquer, c'est-à-dire à être motivé, encouragé à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et non pas à défendre des intérêts humains, égocentriques, etc. Parce que la vérité, c'est que l'héritage que chaque homme de Dieu doit laisser après sa mort, c'est quoi? C'est pas les réalisations matériel que nous faisons, c'est-à-dire les temples, les grosses voitures, les belles maisons, c'est pas ça, mes amis. Si c'est ça que nous pensons être le signe de la grandeur dans le ministère, nous avons échoué. On l'a manqué complètement. Dieu ne juge pas le succès d'un homme de Dieu par ses finances, mais par le nombre de brebis qu'il amène au ciel. Et par son intégrité à sa vocation. Donc, le plus bel héritage que nous devrions laisser à l'église en tant qu'homme de Dieu, c'est une église qui connaît Dieu, en fait. C'est l'héritage spirituel. Amener les gens à aimer Jésus de façon passionnelle, à se consacrer à Jésus, à se détourner de leurs péchés, à embrasser la foi de tout leur cœur. Amener les chrétiens qui étaient claudiquants et chevauchants à devenir sincères, être affermis dans la foi avec le Seigneur Jésus-Christ. Et seront bénis en fait. Et c'est ça la joie d'un vrai homme de Dieu. Sa fierté, c'est de voir ses brebis aller au ciel. Ce n'est pas de tondre les brebis et d'être capable de tuer quelqu'un pour préserver ses brebis. Donc, il y a des hommes de Dieu, tu tentes de quitter son église, il te maudit. Il va te maudire. Ou d'autres enseignent même que, hormis leur église, il n'y a plus de vérité dehors. Mes amis, vous êtes dans l'erreur, en fait. Vous êtes dans une erreur terrible. Donc, l'église de France est divisée profondément entre d'un côté les docteurs, la parole, les pasteurs, et puis les prophètes et ceux qui font le ministère de délivrance. La délivrance, mes amis. Comment quelqu'un peut combattre le ministère de la délivrance? Tout en sachant que Jésus-Christ avait le plus puissant ministère de délivrance. Il chassait les démons. Chaque fois que les démons le voyaient, vous connaissez l'histoire extraordinaire de Génézareth ou de Gadara. Il s'est passé là-bas. Vous savez ce que Jésus a fait? Combien de lunatiques ont été délivrés? Combien de possédés Jésus a délivrés? On ne peut même pas compter, mes amis. Et comment vous pouvez dire aujourd'hui que quelqu'un délivre les gens par les démons, que ce n'est pas Dieu? Combien de personnes Jésus a ramenées par la prophétie, mes amis? Regardez la prophétie qu'il a donnée sur Jérusalem, ce qu'on appelle la prophétie prédictive. Il a dit quoi à ses apôtres? Il dit, vous voyez le temple, quand les apôtres admiraient le temple, il leur a dit, vous voyez, le temps arrive, où il n'y aura pas pierre sur pierre, on ne trouvera pas pierre sur pierre sur ce temple-ci, parce que le temple sera détruit. Et je pense que, après cela, il y a un grand général romain, je ne sais pas si c'était, il s'appelle encore comment là? Est-ce que c'était Ptolémée? Je ne sais pas si c'était Ptolémée. Qui est venu, et il a détruit le temple de Jérusalem en l'an 70, parce qu'il pensait que le trésor de Salomon était dans les fondations du temple. Il a remué les fondations du temple de Salomon. La prophétie s'est accomplie, on ne trouvait plus pierre sur pierre, d'après la prophétie que Jésus-Christ avait donnée. Et Jésus-Christ a prophétisé sur tout ce qu'on voit là, les famines, les divisions dans les belles familles, les trahisons, les guerres, une nation qui s'élève contre une nation,
le Père qui se lève contre le Fils contre le Père, tout ça. C'est pas la prophétie, mes amis. C'est pas ça. La prophétie politique annonçait ce qui va arriver dans les gouvernements, dans les nations. Donc Jésus-Christ a eu un grand ministère prophétique. Mais comment est-ce que les gens peuvent, ça, des prédicateurs de la parole de Dieu, des gens qui ont des années avec la Bible, peuvent-ils se lever aujourd'hui pour dire que ceux qui prophétisent là perdent le temps et que la prophétie, ce n'est pas ça, et prêcher la parole de Dieu. Et si la prophétie, c'est la chanson de Dieu. Et si la prophétie, c'est le cantique de Dieu. La prophétie, la Bible est un livre prophétique, mes amis. De Genèse à Apocalypse, la Bible, c'est la prophétie. Elle est pleine de prophétie. C'est un livre prophétique. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une prophétie. Il faut que les gens comprennent. Comment quelqu'un veut prophétiser, on lui demande, non, arrêtez de prophétiser, enseignez la parole de Dieu, prêchez la parole de Dieu. C'est que c'est la prophétie, c'est la parole de ton oncle ou la parole de ta tante. C'est la parole de qui? Comment les gens ne comprennent pas que la Bible, c'est un livre prophétique, mes amis? Hein? Sincèrement? L'apôtre Paul dit que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Et d'ici l'œuvre de quelqu'un, que quelqu'un a construite, si le fondement subsiste, il recevra une récompense. 1 Corinthiens 3, verset 14. Et il dit quoi dans Éphésiens 2, verset 20? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Éphésiens 2, verset 20. Donc un homme de Dieu qui combat les prophètes combat votre foi, il combat votre salut. Il vous met dans une erreur dangereuse. C'est un ennemi de l'Église. C'est un ennemi de l'Église. Les pasteurs doivent laisser les prophètes avec leur domaine. Comme les prophètes ne s'immiscent pas dans le domaine des pasteurs. C'est difficile de voir un prophète qui combat les pasteurs, ou qui combat les docteurs, ou qui combat les évangélistes. C'est difficile. C'est toujours les docteurs, la parole. Ils veulent montrer qu'ils connaissent beaucoup. Tu ne peux pas, mon ami, être un enseignant. Tu vas dire à un chirurgien qu'il fait mal son opération, qu'il te laisse opérer. Tu vas tuer le patient. C'est la même chose, en fait. Un pasteur enseignant ne peut pas venir parler des mystères du ministère prophétique. Plus qu'un prophète. Vous ne connaissez rien de ce ministère, en fait. De même que le mystère du ministère doctoral est révélé au docteur, de même les mystères du ministère prophétique est révélé au prophète. C'est ça que les gens doivent savoir. Un docteur, quel que soit le don doctoral que tu as, il y a des mystères dans le ministère de la prophétie que tu ne peux pas connaître. Tu ne peux pas, mon ami. Parce que c'est des clés, des accès, des accréditations spirituelles que Dieu ne donne qu'aux prophètes. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dit Cacherech à Abraham ce que j'ai l'intention de faire. Dieu ne cache pas à ses prophètes ses intentions, mais ne révèle pas ça au docteur la parole. Aucun docteur la parole n'a le secret de Dieu, que Dieu lui donne son secret. Dieu leur révèle ce qu'il écrit la parole. Mais nous, Dieu nous révèle sa pensée, mes amis. Nous sommes dans l'intimité de Dieu. Le prophète est dans l'intimité de Dieu. Donc le prophète est supérieur au docteur de la parole. Il faut un petit respect hiérarchique dans l'Église. Il y a un désordre complet. La Bible dit que Dieu a premièrement établi dans l'Église les prophètes, et puis secondement les apôtres, et puis secondement les prophètes. Ouais. Puis secondement. Donc on ne peut pas. Quelqu'un ne peut pas juste venir et il se dit non, vraiment, les prophètes sont montés, sont descendus et tout ça. Il faut d'abord qu'on remette les choses dans le contexte. Les prophètes sont supérieurs aux pasteurs, aux docteurs, aux évangélistes. Il n'y a qu'une seule autorité qui est au-dessus des prophètes, c'est l'autorité apostolique. Donc, il est important que les gens puissent comprendre cela. Il faut comprendre que le Seigneur nous a donné. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens 12, le verset 28, 1 Corinthiens 12, 28, que chacun note cela. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit.
Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants qu'on appelle les docteurs. Ensuite, viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes, etc. C'est-à-dire que le docteur de la parole est la troisième autorité hiérarchique de l'Église. Mais le prophète est une autorité au-dessus. Au-dessus du docteur. Donc, quand le docteur parle à un prophète, il doit parler avec respect. Et quand un prophète parle à un apôtre, il parle avec respect. Voyez. Donc, vous allez voir que dans Jude, on lisait Jude, comme c'est ce chapitre 1, verset 9, la Bible dit que lorsque l'archange Michael est en contestation avec Satan, en ce qui concernait les corps de Moïse, le cadavre de Moïse, la Bible dit quoi? Qu'il n'osa point porter de propos injurieux contre Satan, mais il dit, Satan, que le Seigneur te réprime. Il dit, Satan, que le Seigneur te réprime. Ouais, pourquoi? Parce que Satan était son supérieur. Il y a la hiérarchie spirituelle, mes amis. Et on ne joue pas avec cela. La hiérarchie spirituelle, on ne joue pas. Donc, vous ne pouvez pas penser que votre zèle doit vous permettre de parler à une autorité spirituelle n'importe comment. Et c'est pas bon. Et quand vous méprisez les prophètes, ça fait que vos églises, vos brebis aussi vont commencer à mépriser les prophètes. Et maintenant, une brebis qui pouvait être délivrée, bénie par un prophète, va perdre. Oh, Jésus dit, oh, de combien un prophète est? Eis onoma prophète, mistol prophète, même c'est taille. Si quelqu'un reçoit un prophète, en respectant, en reconnaissant, en discernant sa qualité de prophète, son identité spirituelle de prophète, cette personne aura part à l'héritage, c'est-à-dire en respectant ce prophète. Mais vous méprisez les prophètes et vos brebis les méprisent aussi. Et parlent n'importe comment à la deuxième autorité de l'Église pour leur malédiction. Et c'est vous qui devrez en rendre témoignage. C'est vous qui allez rendre des comptes devant Dieu. Parce que c'est vous qui introduisez vos brebis dans l'erreur. Comment vous pouvez amener les gens à mépriser la deuxième autorité de l'Église, mes amis, et la plus ancienne dans la Bible. Voici ce que la Bible dit. Malgré cela, ces hommes adoptent une attitude semblable. Entraînés par leur esprit, ils souillent leur corps, rejettent toute autorité et insultent les gloires. Ouais, insultent les gloires, les êtres glorieux. Ce qui m'intéresse, c'est ils rejettent toute autorité et insultent les êtres glorieux. Or, lorsque l'archange Michael discutait avec le diable et lui disputait les corps de Moïse, l'archange Michel n'a pas osé porter de jugement insultant contre lui, mais il a dit que le Seigneur te réprime. Comment vous pouvez expliquer qu'un archange, qui est un général en fonction de Dieu, respecte Satan? Hein? Expliquez-moi ça. Ben, Satan, c'est une gloire, mes amis. Même si c'est une gloire déchue, Satan, c'est une gloire. Et l'archange respecte Satan. Il ne lui a pas donné de propos insultants. Mais c'est dans l'église qu'on voit cette folie. Où les chrétiens insultent les hommes de Dieu. Comment tu peux insulter un homme de Dieu, mon ami, qui t'a éduqué ça? Et les pasteurs doivent savoir que les brebis sont à l'image de leur berger. Tel pasteur, tel brebis. Tel pasteur. Les frères, tu parles d'un homme dont Dieu a sacrifié la vie. Je vous donne un exemple, c'est ma petite fille Jemima, elle ne me connaît presque pas. Elle ne me connaît presque pas. Quand je venais, elle a pleuré, ça m'a déchiré le cœur. Pourquoi elle me disait, papa, encore, à peine tu rentres, tu as fait toute la semaine, on ne s'est pas vu, que tu pars. Et quand je rentre le soir, elle dort. Elle dort le soir. Et le matin, moi je suis couché, elle se réveille à 5 heures, on arrive à 5 heures pour la prêter, pour l'école et tout ça. Eh bien, juste pour que je la bénisse. Et elle part. On ne cause pas. Je la bénis. Elle me dit, papa, je t'aime. Elle me fait des bisous. Et elle part à l'école. Lorsqu'elle revient, je suis en voyage. On ne passe pas le temps ensemble. Je n'ai pas de vie, mes amis. Partout où le Seigneur m'envoie, je vais, je suis un sacrifié. J'aime ma famille. Chacun de vous juge de sa famille. Sauf les hommes de Dieu appelés par Dieu. Toute leur vie a été
comme l'apôtre Paul a dit, et déjà je sers de libation. Leur vie servait de libation. C'est-à-dire, elles ont été versées par terre comme une libation. Elles ont été avilies devant Dieu pour que vos vies soient glorieuses. Et tu ouvres ta bouche pour insulter une autorité spirituelle, mon ami. Quelqu'un donc qui n'a plus de vie pour que tu aies la vie. Quelqu'un que Dieu a appauvri pour que tu sois enrichi. Non, mes amis. Voilà pourquoi Dieu usait des représailles sévèrement envers ceux qui méprisaient les gloires et les autorités. Ça n'épargne personne. Aucun homme de Dieu n'a l'autorité de minimiser un autre homme de Dieu. Aucun homme de Dieu n'a l'autorité de rabaisser notre homme de Dieu ou d'humilier notre homme de Dieu. Apprenons à respecter l'œuvre de Dieu dans nos vies et à respecter aussi l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. C'est pas parce que les gens ne font pas comme toi qu'ils ne sont pas de Dieu, mon ami. Dieu, on ne le connaît pas, hein. On ne connaît pas Dieu. Personne ne connaît Dieu. Laissez-moi vous choquer. Personne ne connaît Dieu, hein, mes amis. Ce que vous nous voyez faire là, l'apôtre Paul dit « Ek meros ginoskomen, kai ek meros propheto omen. » Même dans les révélations les plus glorieuses, en fait, on est ignorant. Il dit « Ek meros ginoskomen, kai ek meros propheto omen. » Il dit « Nous prophétisons, nous connaissons, c'est les meros, et nous prophétisons, c'est les meros. » Meros en grec veut dire les parties infinitésimales. Une partie presque insignifiante, inexistante par rapport à la toutine, par rapport au tout. Et ce qu'on connaît. L'apôtre Paul dit qu'on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas. Même le plus grand docteur de la parole qui donne des révélations éblouissantes, abracadabrantesques. Mais en réalité, il ne connaît rien. C'est des méros. C'est-à-dire que ce qu'on connaissons de Dieu, c'est juste pour nous aider à croire en lui, à aller au ciel. Mais la Bible dit que lorsque ce qui est partiel disparaîtra, lorsque ce qui est parfait apparaîtra. C'est-à-dire que nous connaissons Dieu partiellement, en partie. Partie là, c'est Mérous en grec. Ça veut dire que c'est petit comme ça par rapport au grand que Dieu représente, au grand tout que Dieu représente. C'est-à-dire qu'il y a, en majorité, nous ne connaissons rien de lui, presque rien de lui. Il faut que les gens comprennent cela. Il faut apprendre à respecter les hommes de Dieu, mes amis. Même si ton pasteur t'amène, t'enseigne à mépriser les hommes de Dieu, toi, tu ne dois pas suivre ton pasteur bêtement. Tu ne suis pas ton pasteur comme le mouton, mon frère. Tu n'es pas un mouton. Sois intelligent. Il dit, soyez simple comme des colombes et prudent comme des serpents. Tu n'iras pas en enfer à cause de ton pasteur. Les brebis doivent aussi comprendre cela. Tu ne vas pas suivre ton pasteur bêtement jusqu'à aller en enfer. Non. La Bible dit que tu ne t'associeras pas à la multitude pour pécher contre l'Éternel ton Dieu. Tu ne t'associeras pas à la multitude pour pécher contre l'Éternel ton Dieu. Et donc, on dit que l'adage latin qui dit vox populi, vox dei, la voix du peuple et la voix de Dieu est faux. Que les brebis soient sages. N'entrez pas dans les guerres charnelles de nous, vos pères. N'entrez pas. Même si c'est moi, vous vous rendez compte que je commence à vous enseigner que tel homme de Dieu, il est mauvais, il n'est pas de Dieu, fuyez son église. Pardon, ne m'écoutez pas. Laissez-moi vous rendre un témoignage. Dernièrement, le prophète Defo, mon frère, il a organisé, il a invité l'apôtre Johnson Suleiman qui est venu tenir un programme au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé. Et je suivais à la télé, parce que Johnson Suleiman c'est un père à moi. Je suivais à la télé et j'ai vu beaucoup de mes fils là-bas, beaucoup de mes enfants. Ils étaient comme ça là-bas. Ils étaient nombreux. Je n'avais même pas tout vu, en fait. Alors, c'est après que ma directrice générale des finances va m'expliquer que tout mon staff est au stade le troisième jour. Ils sont allés là-bas. Ils sont allés suivre la campagne. Et ils m'ont dit que pendant que je suivais la campagne, ils ont entendu un homme dire derrière, « Ouais, qui nous gère le procès de Kané Ferdinand ici ?» Vous voyez. Bon, combien de pasteurs peuvent supporter ça? Combien? Si c'était notre pasteur, c'est qu'il l'aurait puni. Il l'aurait même démis de leur fonction. Son staff. Que vous partez chercher quoi là-bas? Mes amis, si c'est Jésus que je sers et qu'une brebis de ma bergerie traverse la porte pour aller brouter un peu dans l'autre bergerie, elle revient. Mais c'est pas calé. Je la combats au nom de quoi? Ma motivation, c'est quoi en ce moment? Si c'est Jésus que je sers, je vois ma brebis dans le programme de quelqu'un d'autre. Mon ami, quelqu'un peut rester avec moi, il n'a pas la solution d'un problème, il part ailleurs, Dieu le bénit là-bas.
Il revient. Si c'est ma brebis, elle va revenir. On ne vole pas la brebis de quelqu'un. Jésus dit quoi dans sa prière de clôture son ministère? Je n'ai perdu aucune des brebis que tu m'as données, si ce n'est le fils de perdition. Si quelqu'un vous quitte, il n'était pas des vôtres. Mais celui qui est pour vous ne vous quittera jamais. Sa loyauté vient de Dieu, en fait. Donc, je ne peux pas, pour moi, je pense que l'église, c'est une prison. Je ne peux pas entrer dans la guerre des brebis et puis de jalousie que, oh, pourquoi tu es allé chez tel homme de Dieu? Et ça veut dire quoi? Tu vas, non, mes amis, l'église, c'est pas la prison. Quand tu venais, je ne sais pas d'où tu viens. Ne sais pas en partant que je veux savoir où tu vas. Si tu penses que c'est ta maison où tu es béni, tu restes. Mais si le Seigneur, je te vois dans l'église de mon frère, je vais pas commencer à faire des problèmes. Pourquoi tu es allé chez mon frère? Pourquoi tu es allé chez mon frère? En ce moment, je deviens un homme charnel. Ce n'est plus Jésus que je défends. Non. Non. Ce n'est plus Jésus que je suis en train de défendre. Il y a des choses que je peux être incapable de faire dans la vie d'une brebis. Et puis, un de mes frères m'aide. La brebis part là-bas et Dieu l'a bénie là-bas. Et elle revient, elle est guérie. Je serai content. Mais ne sommes pas comme les pharisiens qui étant incapables de guérir leur brebis, Jésus les guérissant, ils l'ont crucifié. Maintenant, quand Jésus a été crucifié, les morts se sont multipliés dans leur synagogue, les paralytiques, les démoniaques se sont multipliés. Celui qui devait les guérir, ils l'ont crucifié. Donc, ne tuons pas les gens par jalousie, parce qu'ils ont ce qu'on n'a pas. Et je vous dis la vérité, la plupart des hommes de Dieu qui combattent les prophètes, c'est parce qu'ils ne peuvent pas prophétiser. Dieu ne leur a pas donné ça. Et si tu ne peux pas célébrer le don de Dieu dans la vie de ton frère, comment est-ce que Dieu t'amènera encore loin? C'est un problème. Apprenons à célébrer aussi. Parce que tu ne peux pas faire que on te célèbre, tu es content, tout le monde te célèbre, tu es content. Maintenant, ton frère aussi, Dieu lui met aussi un peu de célébration en lui. Et tu te fâches, tu commences à le combattre. Ton t'a combattu. Si on te combattait, tu seras arrivé ici. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit que chacun donc cherche l'intérêt de l'autre et non pas son propre intérêt. Un bon chrétien doit chercher l'intérêt de l'autre. Des autres. Il va combattre. Il y a des hommes de Dieu, je vous dis la vérité. Ils tentent de te voir dans l'église de quelqu'un, à la télé, ou dans l'église d'un prophète, ou d'un apôtre, n'importe qui, avec qui il a le problème, on va te chasser l'église là. Et je dis ça, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. C'est le signe qui montre qu'une personne ne lutte plus pour Dieu, mais pour son ventre, pour ses intérêts personnels, et que l'église n'est plus une église, mais c'est un empire. Ouais. Donc moi je pense que le ministère demande beaucoup d'humilité. Personne n'a le monopole des dons spirituels. Chacun apporte sa petite contribution. Dieu donne un peu à chacun. Et puis en se complétant, on devient plus fort en fait. On devient plus fort. Donc je vais dire au brebis, si ton pasteur t'amène à maudire un nom de Dieu, il a le pouvoir avec un nom de Dieu, toi, si on te pose la question, l'homme de Dieu là, t'as fait quoi? Tu vas répondre quoi? Peut-être que ton pasteur, ton père, a des problèmes avec lui, des problèmes personnels. Mais on ne peut pas prendre nos problèmes personnels pour en faire des problèmes de l'Église, mon ami. L'Église, ce n'est pas une armée derrière un homme. Non, non. Non, non. Ça ne veut pas dire que moi, contre mon frère, mon Église, contre son Église. Mes amis, ce n'est pas ça que Christ vous a sauvé. Christ vous a sauvé pour vous aimer les uns les autres et pour pardonner. Si votre père ne veut pas voir un homme de Dieu, il ne veut pas voir chez lui, il parle avec mon ami. La Bible dit quoi? Que celui qui est fort supporte celui qui est faible. Tu es donc fort. Au lieu de supporter, toi, tu es plutôt en train de le crucifier, de l'enterrer, de creuser sa tombe, et c'est de Dieu. La Bible dit quoi? Que vous qui êtes fort, s'il arrive que vous surpreniez un faible dans quelques erreurs, ramenez-le. Il faut le ramener. La personne que tu condamnes, tu as essayé de la ramener combien de fois? Tu es allé vers elle combien de fois? Tu allais combien de fois voir ton frère? Laissons Facebook, les guerres, les bêtises qu'on fait sur Facebook là. Tu allais en secret combien de fois voir ton frère pour lui dire non, non, tes choses, j'étais pas d'accord avec toi, ça m'a dérangé. Combien de fois tu l'as fait? Qu'est-ce que la Bible dit? Il est facile de prêcher la Bible, nous les prédicateurs, on est fort de bombarder la tête des brebis, bombarder, condamner les brebis, être dur avec les brebis. Mais nous-mêmes, on ne pratique pas. On ne pratique pas. Nos caractères, nous sommes les premiers inconvertis de l'Église. Les premiers qui ont des cœurs qui manquent de pardon, des cœurs pleins de haine, de rancune. Tu vois un homme de Dieu qui a de la haine envers son frère depuis des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mon ami, tu vas aller dans quel ciel avec ce cœur?
Et tes brebis pour pardonner comment? Puisque toi-même, le Père, tu n'arrives pas à pardonner. Et tes brebis, puisque Paul dit dans 1 Corinthiens 11, 1, soyez mes imitateurs comme moi-même, je le suis de Christ. Tel Père, tel Fils. C'est ça la vérité en fait. Tel Père, tel Fils. Tes brebis vont t'imiter. Elles feront ce que tu fais. Et tu vas diviser l'Église. La Bible dit qu'on doit faire attention à la manière dont on bâtit ce fondement. L'apôtre Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 3, verset 15, il dit, afin que tu saches, je t'ai comment te conduire dans la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant, la colonne, la fille, la vérité. Donc l'Église n'est pas la propriété d'un homme. Or, l'erreur que nous commettons en tant qu'homme de Dieu aujourd'hui, on dit mon Église, ma brebis. On a fait de l'Église la maison de Dieu, notre maison à nous. On a chassé Jésus-Christ. Or, qu'est-ce que Jésus a dit dans sa parole? Il dit, Lego otis sois petros, en taute te petra, oikodemia somotet ecclesia, kai poulaï ado, ou katiskoussin aoutes. Et moi, je dis que tu es pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église. Mouten ecclesia en grec, ça veut dire, c'est une forme réflexive qui marque l'insistance et la redondance. Mon église et la jalousie en même temps. Tu sais, je bâtirai mon église à moi. Pas, je ne partage pas mon église avec quelqu'un. Aujourd'hui, nous discutons l'Église avec Jésus. On n'est plus des serviteurs inutiles, on est des serviteurs utiles. Tant qu'on ne nous appelle pas de grands noms, alors c'est fini. J'ai un de mes fils que j'ai trouvé ici, là, qui est mon chauffeur. Je finis avec le témoignage ici. On me l'a donné, il me conduit quand je dois sortir. Et donc, on est sorti, on causait, on marchait à pied, on garait, on marche, on cause, il parle, il me tutoie, il parle. Moi, si je cause avec lui et tout ça, après ça, il me demande, ah, votre église là-même, c'est comment? Je prends donc une vidéo, je lui montre une vidéo. Quand il a vu la vidéo, première chose, il me dit, papa, une photo d'abord. Il ne savait pas que je marchais avec un homme de Dieu comme vous. Je vois pas, il a bavardé toute la jeunesse, il a bavardé, il a parlé, il dit, c'est pas possible. Je n'arrive pas à croire que j'avais un homme comme ça et je ne me rends pas compte. Il dit, vous êtes un grand Dieu, je ne suis pas grand. Je suis le vermisseau d'entre tous, le moindre d'entre les 10 000 000. Il n'y a de grand que Jésus-Christ. Et mon rôle, c'est justement que les gens reconnaissent la grandeur de Jésus-Christ. Un serviteur est là pour faire reconnaître la grandeur de son maître. Pas sa grandeur à lui-même. La grandeur de son maître. Mais on a raté ça. Et nous condamnons des innocents. Nous racontons des fausses choses, des faussetés contre des frères qui sont innocents, qui n'ont rien fait, qui ne nous ont jamais rien fait. Tu n'aimes pas voir ton frère. Tu prêches contre quelqu'un à qui tu n'as jamais dit bonjour. Vous ne vous êtes jamais croisé. Parce que tu as entendu qu'on a dit sur la personne. Tu commences à haïr quelqu'un. Tu les dis, qu'est-ce que la Bible dit? Tu ne porteras pas le faux témoignage contre ton prochain. Et ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus-Christ dit que si, dans Matthieu 18, verset 15, il dit que si ton frère a péché contre toi, va vers lui. Ne pas même pas présenter l'offrande. Parce que si tu mets l'offrande, pourtant tu as ton cœur, ton frère dans ton cœur, c'est que l'offrande là, Dieu ne va pas agréer ça. Jésus dit quoi? Laisse l'offrande, qu'on peut dire que l'amour est supérieur que la religion, que l'offrande. Laisse ton offrande, va vers ton frère. Mais il y a des hommes de Dieu qui ne peuvent pas pardonner. Ils ne peuvent pas pardonner. Mais quand ils prêchent sur l'amour, ah, tu dis que ça. C'est le petit-neveu de Jésus. Mais le gars lui-même, il a des prisonniers, des captifs dans son cœur. Mes amis, que Dieu nous aide. C'est compliqué. C'est nous, c'est notre faute, nous les hommes de Dieu. On vous a amené à la dérive. On vous a amené à la dérive. Avec la dureté de nos cœurs. L'endurcissement de nos cœurs. L'orgueil. Les hommes de Dieu, que tu ne peux pas lui faire les reproches. Tu ne peux pas lui dire que frère, ce que tu fais là. Mais lui, quand il fait les reproches, vous savez que les gens qui aiment trop critiquer, trop faire les reproches, hein, ils ne supportent pas les critiques. C'est pas ce qu'on voit sur Facebook là. Oh, mi caméra là, derrière caméra là. Quelqu'un va les critiquer, il te gifle même, il boxe même. Ceux qui aiment souvent trop donner les conseils là, eux-mêmes n'aiment pas qu'on les conseille. Hein. Donc, Dieu nous aide. Bien, mais donc voilà, je suis à Paris, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. La nuit de prière, ce sera ce vendredi. Ne manque sous aucun prétexte. Si tu ne crois pas au prophète, je prie que le Seigneur t'aide à comprendre que nous sommes une bénédiction pour l'Église. On ne vient pas ici pour arracher les brebis de quelqu'un, ou bien pour détruire l'Église de quelqu'un, ou bien pour se montrer.
On est là pour apporter l'évangile de Jésus-Christ à la manière dont il nous a révélé cet évangile-là. Donc, la nuit de la turbulence prophétique. La nuit de la turbulence prophétique, ce sera sur le thème que le Dieu du prophète change ma situation. Ce sera vendredi 27 novembre, de 21 à 6 heures du matin. Le lieu, c'est les salons du Grand Paris. 8 rue Serpente à Champigny-sur-Marne, 94-500. Voilà. Donc, après cela, la semaine qui suivra, la semaine prochaine, je serai à ACCR, c'est mon bien-aimé, l'évangéliste J.P. Macanzo, à rue Saint-Antoine, 80-5900, Robert, Lille, France. La date, c'est du 2 au 5 novembre, du 2 au 5 novembre. Et après cela, certainement en Belgique, c'est l'apôtre Tony Silassi, à l'Assemblée du Dieu vivant, 43 rue Goethe, 1070 Bruxelles, Belgique. La date, ce sera du 10 au 12 novembre. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, avant de retourner en novembre, je ferai un culte familial avec service d'Oint, ici, à Paris, avant de partir. Donc, je quitterai de là pour le culte familial, le premier culte familial d'Europe. Dieu va bénir nos familles, Dieu va manifester une grande grâce dans nos familles. Ce sera un service d'Oint, c'est le premier service d'Oint. L'Oint sera distribué gratuitement à tous ceux qui seront présents et Dieu va se glorifier, c'est sûr. Donc, il faut dire que, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je suis en train de travailler. Quand je vais rentrer en décembre, je viendrai encore en décembre. Je serai là avant le 31 pour vous préparer déjà pour l'année 2024. On aura notre nuit de la traversée avant même l'Exodus Night. Donc, la première nuit de l'Exodus Night aura lieu en France ici. Et Dieu se manifestera puissamment. Donc, et faites attention aux arnaqueurs. Il y a tellement de faux comptes en mon nom, de faux profils en mon nom, portant le nom de Kenneth Ferdinand, qui écrivent aux gens, envoie des invitations et demande de l'argent. Donc, méfiez-vous, s'il vous plaît. Ma page, elle a 251 000 abonnés. Donc, toute page qui a moins d'abonnés que 251 000, c'est des fausses pages. Il y a des pages qui ont 53 000 abonnés, 15 000 abonnés, tellement de milliers d'abonnés et des gens qui pensent être abonnés au prophète de Kenneth Ferdinand. Vraiment un grand gain à perdre, mes amis. Des gens qui pensent être abonnés au prophète Kenneth Ferdinand, pourtant, c'est chez des arnaqueurs. Donc, faites attention. Faites attention. Que Dieu vous garde et vous préserve. Passez une excellente nuit sous la protection des anges. Je veux prier pour tous les sujets de prière qui ont été posés ici. Père, tu as dit dans ta parole, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander chose quelconque, mon nom, je le ferai. Voilà, bien-aimé, il faut dire que vendredi, je serai avec mon bien-aimé, l'apôtre évangéliste, J.P. Macanzo, pour la nuit, la turbulence prophétique. Ce sera terrible. Il sera là avec son épouse et son équipe. Je vous dis, on va passer le moment extraordinaire. J'ai hâte. Père, merci pour ta grâce. Que chaque sujet de prière qui a été posé soit exaucé. Exauce, ô Dieu, exauce. Au nom souverain de Jésus. Que les portes fermées soient ouvertes. Que cette nuit soit une nuit de visitation divine pendant que nous dormons. Parle-nous. Envoie-nous tes anges. Seigneur, multiplie nos opportunités devant Dieu. Que l'impossible devienne possible dans nos vies. Là où les hommes nous ont limités, que la grâce illimitée de Jésus parle en notre faveur. Où les hommes nous ont disqualifiés. Que ta faveur nous qualifie. Seigneur, merci parce que tu le feras au-delà de ce que nous te demandons et pensons. Père, je prie que chacun dorme en paix. Ceux qui souffrent des couches de nuit sont délivrés. Ceux qui souffrent des oppressions nocturnes sont délivrés. Ceux qui voient des morts dans leurs rêves sont délivrés. Ceux qui voient des animaux totémiques sont délivrés au nom puissant de Jésus. Toute menace contre ton peuple est détruite et bannie, elle est annihilée, est néantisée et anéantie. Dans le nom souverain de Jésus, que cette nuit soit une paisible pour nous. Et de récupération aussi. Au nom précieux de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Passe une très belle nuit. Et rendez-vous lundi, ce lundi, dès 22h, heure de Paris, et 21h, heure du Cameroun, pour un autre grand direct. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, Shalom. Bonne nuit.